Je viens d'arriver dans la petite ville de Ragusa, qui est une ville baroque. Je suis déjà monté assez haut, le chemin était difficile. En plus, j'ai suivi la navigation qui, comme d'habitude, cette fois, c'était pas Waze, parce que ici, entre les montagnes, le réseau passe mal. J'ai donc j'avais en réserve 6G avec les cartes déjà importées dans le téléphone. Bref, il m'a quand même fait passer par des petites rues étroites. Je pense que ça devait être interdit. Il y avait les carabiniers qui m'attendaient. À la fin, heureusement, ils avaient un autre client avant moi, juste tout près du parking. Alors qu'il y avait une plus grande route, mais qui contournait, qui, je pense, arrivait plus simplement. Donc, je suis déjà pas mal monté. Mais la ville est encore au-dessus de moi. Et pour y monter, il va falloir prendre les escaliers. Ça a failli mal se passer, mais bon, j'ai pu me garer sur le petit parking qui n'est pas vraiment prévu pour les grands véhicules. Mais heureusement, il y avait de la place. Je ne sais pas du tout par où je dois passer, donc je vais essayer ces escaliers en espérant qu'ils mènent quelque part. On voit là-bas le parking avec le fourgon où je suis garé. Je suis presque arrivé en haut. Par là-bas, c'est là où il y a le fourgon. Bon, ben là, je crois que j'ai trouvé le centre historique. Donc, on ne peut même pas aller plus haut. Donc, on va visiter le centre de la ville. Derrière moi, apparemment, il y a une messe d'enterrement. Donc, je crois que je ne vais pas visiter l'église maintenant. Bon, l'enterrement semble être terminé. Je vais pouvoir visiter l'intérieur de la cathédrale. Ce qu'il y a de spécial dans cette ville, ben c'est qu'en fait il n'y a pas grand chose à visiter, c'est juste ces petites ruelles. Donc à part la cathédrale qu'on a vue avant, juste donc déambuler dans les ruelles, il n'y a pas vraiment de monuments à visiter. Il y a aussi deux autres villes, Modica et Noto, mais vu que ça ressemble toutes et qu'il n'y a pas grand chose à voir, je vais faire l'impasse dessus. Donc je vais terminer, je vais me promener à travers la ville et puis après ça sera direction Syracuse, ce sera un long voyage. Derrière moi, vous avez la deuxième partie de la ville, sur un promontoire rocheux. Moi, j'ai pas le courage de redescendre et de remonter jusque là-haut, mais on a une belle vue d'ici. Donc, je suis cette fois descendu par là, j'ai pris d'autres escaliers, toujours avec cette belle vue sur cette ville au perché. Et je vais rejoindre là-bas le fourgon par là-bas.